T'es quelqu'un pas Ah, une on sauce recommence. blanche On recommence. Qui de est Mario obèse Kart, c'est ici? le début de départ de Mario Kart, tu sais. Le film, t'es mauve. J'avoue. Oui. En tant que Standardman, je refuse que tu portes Moi cette j'ai pas la couleur-là. sunboard. Tu sais que c'est une de mes couleurs Alors, préférées, et je juste m'en pour bats les t'embêter, je vais la couilles. garder. T'as une En tant couleur que dans ta rose, bite, moi ça j'aime le mauve. Moi ça bouge pas. Ah, je suis. Alors. Voilà. Et ne regarde. Fais gaffe de pas voir mon écran, toi, par contre. Oh, pardon, c'est Il vrai. triche. Il joue quand même, mais Tiens, c'est je l'ai tourné un peu. incroyable. Bon, alors je rappelle que j'ai presque jamais joué. Donc on va donc te tuer en TA. Fort Non, probablement. on évite de la tuer en T1. On Le jeu, évite c'est pour le Sarah moment. Connor. Je vais expliquer Sarah Non, Connor. on Tu est. peux regarder ton écran, Delphine? Non. Trop tard, magique. Attends, je vais le Déjà. mettre comme ça. Ouais, Je moi je suis l'ai sûr tourné parce un que peu. Sinon je vais être contenté. Tenter. Alors. Tenter des tentes. Bonjour. Bonjour. Avez-vous vu que j'étais français? J'ai vu les baguettes, c'est bon, tu es français. Ah, d'accord, ok. Hey! On m'a demandé pourquoi la queue Bonjour, était maman. longue. T'es là. Ouais, Ah, attends. Où est-ce qu'on pose Allô? la quête? Ah! C'est un Attends. puzzle. Mika. Écoutez, oh. Hey, les gars, Hello. Quoi? gros soupçon sur Mika Pigeon. Mika Pigeon. Je le sens. Ok. J'ai fait demi-tour parce qu'il y a quelqu'un qui est bizarre. Et... Oh bah tiens, j'ai un truc à faire ici. Qu'est-ce qui est bizarre? Mika! 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 C'est pas toi, Mika. Si, c'est Mika. Ok, non, je vais pas crash. Il y a eu un mort, il y a eu. C'est Mika, il a tué Thomas et il a bouffé. Ah, pas la bonne il réponse. Il est mort. Quoi? Ah! Mais allons! C'était le chat, je. C'est River Alors, Simon. tu étais ma cible, donc il fallait que tu fasses. Tu étais déjà Mais... ma cible. Mais j'ai dit River Simon. Donc, c'était un contre uno. De toute façon, Mika, t'allais être éjecté. J'étais harceleur, j'avais visé Thomas. Et la flèche de Thomas a disparu. Je suis arrivé sur toi, il n'y avait que toi. Donc, du coup, tu venais à pile de bouffer le corps de Thomas. Ouais, mais d'accord, ok, pas de soucis, mais j'ai des River Suno, c'est pas ça? Non, c'est un contre Uno. Attention, c'est la même j'ai mis en spectateur. La dernière fois, on a dit River Suno, ça passait, hein, Krios. Bah ouais, ah bah je savais. Ah, attends, faut que je mette à jour à ce moment-là. Ça, je savais pas, ça. River Suno, ça, je savais pas. River Suno ou contre Uno, les deux fonctionnent, ça va? Ouais, c'est pareil, c'est dégueulasse. Non, mais je retiens, d'accord, non, mais je savais pas. Je ne savais pas. Tu dois t'offrir à moi, Krios, t'as pas le choix. Alors, Thomas, qu'est-ce que c'est que ça là? Attends, excuse-moi, attends, faut que j'aille mettre à jour ma base de données. Excuse-moi, je suis en train de faire la mise à jour. Thomas, sache que. La mise à jour sera terminée dans 5 minutes. Manger ta chair, c'est comme Dieu. C'est la meilleure chose à faire. Il a beaucoup eu pégé. L'avantage, c'est qu'en plus, t'avais déjà le pain pour saucer la sauce. Du coup, t'en fais une deuxième, maman? Ouais, allez, je reste avec vous jusqu'à 22h. Oui. Ouais, et moi, 22h, je pars. Et moi, 22h, je pars aussi. Oh. Bah oui, mais je oh. travaille. Ouais. Je suis pas chez moi, je suis pas la manette. Mais vendredi, je reste toute la nuit s'il faut à l'IAKA, parce que bah, y a le lendemain et c'est vendredi. Quoi.
Putain, j'ai eu les pieds, le bruit qui fait peur. Krios. Krios. Bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui va se passer ou tu te dénonces tout ça? La prochaine fois qu'elle me proposera de la pâté pour chat, bah, elle se mourra encore une autre fois. Voilà. Et Diaka, t'es la suivante. Bon, si jamais je vais vous expliquer quand même, Mika a buté Funio, il s'est transformé en Funio. Ah oui, ça lui apprendra à me faire bouffer de la pâté pour chat. La cherche depuis mais la continue, première fois. Tiens. Voilà, mange de la pâté pour chien. Oh, quel doute, toi ton crayon. Et Diaka, t'es la suivante. Non. Allô. Comment ça, salaud? Ça te dit, ça t'apprendra à me tenir. Oh, bien sûr. Il a mis la musique. Ah oui, il y a le pélican aussi. Oh, fuck. Putain. Non. Nous sommes en guerre. Nous sommes en déjà vous. Hello. Oh la Avada Kedavra, il était tellement bien mis. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Secours. Dans mon ventre, c'est le bordel, il y a une boîte de nuit. J'attendais exprès là pour te buter, frère. Je t'ai clairement Bonjour. Buté à l'instant où je t'ai vu, j'ai appuyé sur l'espace. Bonjour. C'est moi qui me Ouais, j'ai compris, mais je comprends pas comment. Oui, non, les joysticks. Ils avaient compris. J'avais allé de sorte. J'avais une prio aussi. Et ça doit se superposer avec la dame blanche. La prio est débile. Eliaka. Oui. Je suis approché d'elle, j'ai fait. Ça va? Elle me fait. J'ai pas confiance en toi. Je lui ai dit, je ne te répondrai à ça qu'à un mot, pâté pour chat, et je l'ai buté. Ouais, avec ce qui vient de se passer là dans la game. Non. Je l'ai enregistré. Côte, voilà. Je l'ai enregistré, le Avada Kedavra Scrunch, je l'ai enregistré. Avada Kedavra Scrunch. Funios, ce sera jamais son jeu, mais elle l'avouait au même que c'était plus fun qu'Among Us, et peut-être de temps en temps. Ah oh, oui, c'est plus amusant qu'Among Us, mais c'est pas. Mais... pas mon jeu. Pas là toutes les semaines, mais une non, fois que tu reviendras jouer. Est-ce que vendredi, quand tu reviens à ta soirée, tu viens dire bonjour à Poyo quand même? Oui, mais je sais pas du tout l'heure qui sera. Non, mais t'inquiète, mais on sera en live très tard, à mon avis. Hein. Ok. Moi, je serai rentré chez moi. C'est un tétard, croyez. En live. Est... Poyo sera en live. Thomas, t'es avec nous vendredi, tu seras live aussi. Exact.
Allez, tu peux lancer. J'ai vu. Merci. Il y a... J'attendais 4 et la suivante. Ouais. Il y a 4 et la suivante. Comment ça, mon ref? Il y a 4 et la suivante. Il y a 4 et la suivante. Oh, bien. Oh. J'ai glissé, chef. Je connais pas les rôles. Avec le son qui va derrière, ça allait tellement bien. Non mais la soundboard de Thomas, elle est incroyable. Non là Thomas, c'est pas moi. Moi c'est pas fait. Est-ce qu'on... Alors il y a Malou, Cryo, c'était et Thomas qui dans ont les paramètres une soundboard. Son... Mais dans le paramètre joueur. Donc, oh, parce que ça va te péter les oreilles. Ça, oui. Nous sommes en guerre. C'est qui? Ah c'est Thomas. Ah c'est Thomas, moi je l'ai. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Au secours. Suivante, j'ai pas pris la peau. Au secours. Hey. Alors, Eliaka qui fait une quête d'imposteur actuellement. Hein, Eliaka? Oui, je relis les points. Je te c'est dirais ça pas. Oui, bah oui, elle a dit oui en plus. Non, en fait, tu non, je ne suis pas. En fait, non, je ne le suis pas, promis. Oh putain! Krios, la quête elle a changé! Au secours! Malou, bah... Krios, la quête en bas elle a changé! Au secours! Ouais. Elle a Laquelle? Changé! Oh, la dame de fer! J'ai ouvert, y a un screamer dedans! Putain! Hein? Ouais, là! Là, celle-là! Celle-là! Yeah, celle-là! On ouvre la dame de fer et un screamer! J'ai sursauté, bordel. Pas. Pas s'il y a un pigeon, mais... Non, c'est... Ah bah non, je sais pas. C'est pas cette partie-ci, non, c'est, oui. Non, c'est rien, je ne sais pas. C'est cette partie-ci, je sais pas. D'accord. Ah non, c'est normal. Je vais aller buzz pire. Pas mort, mais je suis violé. Oh non, voilà Thomas. Non, Thomas, pas dans les. Pas dans. Mais. Bonjour, c'est trop tard. C'est le barbare qui a trouvé. Thomas. Je sais que t'as fait ça pour me protéger, mais quand même. Tout le monde l'a su. Oui. Et je peux innocenter sûr à 200% Cugno. Ah, j'étais perdu, moi! C'est Thomas qui a tué. Oula, il est mort de rire. Oula, il est mort de rire. Ah. On l'entend rigoler dans le mur. Il était contre le mur. Il était contre le mur. Il était en non, pas dans les fesses. Pas dans les fesses. Je suis pas sûr pour qui je votais. C'est Thomas qui a tué. C'est Thomas qui a tué Mika. Mika, il était contre le mur, il avait le pantalon baissé, il était en non. Alors, si un vote pour quelqu'un de random, c'est peut-être moi, je vous précise. Je crois que je me suis fail en votant. J'étais obligé. J'avais pas le choix. Quoi? Il est mort de rire, on l'a entendu. Bonsoir, excusez-moi.
De buzzer, j'ai une théorie peut-être un peu farfelue, mais j'ai une théorie. Je pense que il reste que le neutre et que c'est un pélican. Il y a des chances. Soit c'est un pélican, soit c'est un faucon. Sauf si le faucon n'est pas sur cette map-ci. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'un des deux. Je pense vraiment que Thomas était. Alors, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Il m'a dit qu'il était dans les. Ah, ouais, ok. Mais il m'a dit qu'il était dans les derniers. Ouais. Sachant que j'étais. Sachant qu'on m'a proposé un rôle d'imposteur et que j'ai posé random. Y'a T-Biscuit qui va arriver. Il était dans les derniers. Oh, il reste donc que lui. Que ce soit, tu peux nous rejoindre, on est en. Hello T-Biscuit. Salut T-Biscuit. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Salut bro. Je ne comprends pas quoi, en fait, c'est un truc. Ça va, bro? On clique sur la tête de la personne. Ouais, mais quand j'appuie sur A, ça fait genre rien. Je comprends pas. Je pense que. Par contre, j'ai pas entendu si t'as eu des soupçons sur quelqu'un, j'ai pas entendu. Non, il dit qu'il reste juste le neutre. Il reste juste qu'il reste forcément que le neutre. En fait. Ok, d'accord. Ok, il faut que je clique. Je crois qu'il faut que j'utilise ma souris. Pélican ou. Parce que ça marche pas avec la manette. Un pélican ou faucon. Et je sais pas s'il y a le faucon sur cette map, donc c'est un pélican. Je sais pas. Au moins. Faucon, non, parce qu'il y a pélican, je crois qu'il n'y a pas le faucon. Il y a des maps, il y a les deux. Ah, alors ouais, j'ai dit la merde. Dans la jungle, là, il y a les deux. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ah. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Oh mon dieu. Alors, ouais, exactement. Au cas où, en étant bouffé, le harceleur ne peut plus harceler qui que ce soit. J'avais mis ma flèche sur Théo, je ne voyais plus la flèche de Théo. Jusqu'à ce que tu bouffes. Et là, ça lui fait. Ah ouais, donc là, d'accord. T'allais bien où j'étais en bout de courir. C'est sympa, casse-croûte. Bravo. Là, mon amour, tu auras gagné grâce à mon viol. Hein, on va oui, bah, et sachez qu'il m'a fallu du temps avant de comprendre que je pouvais tuer les gens. Ah, mais j'étais dit que j'avais les pugnots. Oui, mais là, premièrement, je n'avais pas compris. Comment? Faudrait que tu m'expliques comment t'as fait pour savoir que il y avait eu la célébrité. Ah, je savais pas. Parce que, en fait, qu'au moment où Mika est mort, bah t'as réagi à ce moment-là. Bah, en fait, si, elle sait, parce que quand Toba est venu me violer, il y a eu le report tout de suite, et j'étais mort de rire parce qu'il a fait sa phrase. Donc, elle s'est doutée que je suis mort à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais, mais en fait, non, parce qu'au moment où t'es mort, elle a réagi pile à ce moment-là, en fait. Mais oui, parce que c'est pas un truc, mais Trios. Et c'est bon ça. Ouais, lui, il est à côté de moi. Trios, il est à côté de moi. Trios 1, je suis à côté d'elle. Et 2, le report, il s'est fait 3 secondes après mon kill. C'est pas compliqué. Donc c'est pour ça. Et oui, Eliaka a report demain.
Moi, faut savoir, jusqu'à la première manche, j'avais vraiment pas compris que je pouvais bouffer les gens. Et je lui ai gentiment demandé de bouffer Krios, c'est Théo, je vois c'est pas un cheat, c'est une perception de proximité, nuance. Elle pouvait pas me bouffer, de toute façon, à la fin, là où j'étais, parce que comme j'étais ornithologue, je voyais à travers les murs, et si je la voyais arriver, je me téléportais. Moi, ce qui me fait rire, c'est la soundboard de Papy Balou. Delphine n'était pas prête de la soundboard quand elle l'a bouffée. Hein. Voilà, c'est ça. Elle approchait. Mais c'est pas toi qui décide. Elle arrivait près d'Eliaka et elle a fait il était un. Voilà. Non, mais la prochaine façon, c'est simple. C'est... Pour moi, c'était ça. Hein. Alors, je vais juste vérifier le s'il y a le. Alors, dans les neutres, il y a Dodo, du dueliste, Pigeon et Pélican. Il n'y a pas de. Oh, hey, mais j'ai pas vu. Il n'y a pas le faucon. Il n'y a pas le faucon, merci. Il y a mon copain Dodo. Oui, Dodo. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Ti biscuit, tu m'as manqué. Ah, c'est tout l'effet que ça te fait. D'accord. Alors, on t'entend pas, Tib. Ti biscuit, il va te croquer. Test, 1, 2, 1, 2, on m'entend ? On t'entend. Oui, c'est bon. Non, attends, j'aurais essayé. Test, 1, 2, 1, 2, on m'entend de nouveau ? Oui. We are the knights who say... Oui, c'est bon, on entend le soundboard aussi. C'est bon. Malou ne peut pas répondre pour le moment, d'accord. Comme Malou ne peut pas répondre, il parle en soundboard. Vous savez, depuis que j'ai vu Tibiscuit à la piscine, je rêve de son corps tous les soirs. Allô ? J'aime bien la musique. En fait, un jour, Malou, il va faire il va créer ses propres sons avec des phrases préfaites comme ça. Mais il peut pas parler, il aura juste appuyé sur un. Nous sommes en guerre. Vous savez donc que je ne suis pas imposteur vu que prédicateur c'est de la merde. Prédicateur c'est trop bien, c'est le rôle de Thomas. Génial, prière est d'accord. Enfin, après. Moi j'aime pas. Ah non. Le rôle de Thomas c'est politicien, je suis désolé. Ça va aller Thomas. J'ai aversé, je crois. C'est grâce à ça que je l'ai eu dans une partie précédente d'ailleurs. Je croyais que c'était l'esper, moi, pardon, je me suis. Ah non. C'est moi. J'espère que c'est de la merde. Le prédicateur, pardon, c'est le rôle. Il n'aime pas Esper. Bip. Alors. Ah, tes biscuits. Alors, je t'explique. Ah, ils sont marrants les nouveaux trucs avec les requins. Je t'explique. Le shérif maintenant est le Terminator. Je vais te dire. Ah, ça a changé ? Sarah Connor. Qui est Sarah Connor ? Tu me donnes un pseudo au hasard. Si la personne me dit contre Uno ou reverse Uno, la cible change. Donc, je te demande qui est Sarah Connor ? Moi. D'accord. Sarah Connor. Moi. Oui. Moi. Toi. D'accord. Donc je Mouin. Te dis Sarah Connor et dans 2 secondes je te tue. Si tu me dis pas reverse Uno. Bon. Sarah Connor. Moi. C'est pas toi qui décide. D'accord, ok. Surprise. J'étais justicier. Mais oui, mais tu dois me donner un nom de quelqu'un d'autre. Andouille. C'était pas précisé. M'en fous. Faire cette quête-là. Eliaka et Tibiscuit se sont tués entre eux. Eliaka et Tibiscuit. Il y en a un des qui a slash, il y en a un des... c'est ma faute. Krios. Oui. Moi, j'ai une contre-chanson. C'est un imposteur parce que je non, pas du suis tout. Ingénieur. Et quand il est passé à côté, ah, ta gueule. Alors, je te rassure, le corps d'Eliaka et Tibiscuit était vraiment côte à côte. Les deux côte à côte. Tu les as pas tués, tu les as trouvés, mais t'as mis les portes. Oui. Parce que quand au moment où t'es passé à côté de moi, avec Delphine, on était en train de chanter,
Alors, y a eu je te rassure. Je... Et dans la zone où tu étais, il y a eu leur bouton rouge. Donc, et je te rassure, j'ai une idée de qui. Non, non, je rassure, j'ai une idée de qui est le tueur. Alors, je sais qui était à la zone où il y a eu la quête, là où il y a la quête de la porte. Je sais qui était là-bas. Qui était avec toi dans cette zone-là, parce que la poste était là. Moi, je suis passé, mais j'étais avec Manga tout le long. Thomas était dans cette zone-là, je peux t'assurer. Eh ben, quand il y avait les portes, non, quand il y avait les portes, j'étais déjà avec Malou, Eliaka et Tibiscu, on était tous dans la même salle. Malou pourra en confirmer. C'est Krios ou tout Thomas. Je t'assure que c'est... Oh, mais fallait skipper par mais... contre. Mais il est tombé dans l'eau. Mais Thomas, c'est éliqué, voilà. Il est tombé dans les chevilles. T'auras jamais dû te donner de ventre, salon. J'ai expliqué à Tibiscuit le principe du Sarah Connor. Tibiscuit me fait moi. Ok. Donc si tu me dis, si tu ne me dis pas dans deux secondes contre Uno ou reverse Uno, je te tue. Donc Sarah Connor, moi, je l'ai buté. Et j'étais justicier en plus. La justice. Mais j'aurais jamais dû te booster, Cryo. J'aurais jamais dû te booster. Tu m'as boosté moi. Bah oui, c'est pour ça que je suis mort. Mec, en fait, j'explique. Moi, j'étais harceleur, donc j'avais mis mon pointeur sur toi. Et que ta petite âme pirouette. Le laboratoire qui aurait pu faire la quête de la porte, c'était toi. Et que, sinon, on change de chanson. Parce que Mika, il me dit bah, c'était à côté de toi, la zone. Oh non. Je sais que t'étais à côté, parce que je voyais ton pointeur. C'est honteux. Tu le voyais pointer? Oula. C'est honteux. Oula. Il y a la fête de Norman par ici. Allô? Donc, Tibiscuit, la prochaine fois, tu me donnes le nom de quelqu'un d'autre. Il était d'accord, Ah, on a un pélican. Un pélican célèbre qui a travaillé dans la police. Et qui a un bac plus 2 en un diplôme d'ingénieur. Faut vraiment qu'il faut que j'arrête d'être harceleur à chaque fois. Et il applique la justice. Désolé Malou, mais Tibiscuit, tu viens de bouffer Malou sous mes yeux. Sérieusement. Si vous le dites, mon bon monsieur. Rios, on avait une expérience là. On était en train de vivre des choses. Tu peux me botter si tu veux, mais tuer Tibiscuit, c'est un pélican. Ah, mais je le tuerai après, y'a pas de soucis. Hein. Mais j'allais montrer un tour de magie à Abdelphine et tu voulais me Jackson. J'accepte le contrat, je signe. Moi je vote Tibiscuit, puis après je vote Krios, mais pas les couilles. Non, non, on vote Krios et ensuite on vote Tibiscuit. D'accord. Oh, on veut voter Tibiscuit, putain, t'es connerie. Allez. Non, non, donc, on vote Krios et ensuite on vote Tibiscuit. Je te disais donc à gauche, il y a quelque chose que je vais te montrer. Tu viens avec moi, on se rejoint là où on était. Voilà. Ah, Delphine, tu votes Krios. Par contre, il y a beaucoup d'écho, je sais pas si c'est parce que t'es à côté de. Tiens, Krios, mange ton fun. Mais putain de merde. Oh non. Tu biscuites avec Krios. Comment ça, mon ref? Alors, Thomas. Bon. Bonjour. Je vais à la recherche d'un petit biscuit. Est-ce que tu peux le tuer ou pas? Oui. D'accord. Oula. Et où? Il faut tuer Tibiscuit. Il faut tuer Tibiscuit.
Thomas, tu t'occupes de Tibiscuit ? Oui. Les gens parcils. Oui. Je m'occupe de l'autre. Voilà. Ah bien. Occupe-toi de Tibiscuit. Il est où ? Biscuit. Il est où, Biscuit ? Il est où, Biscuit ? Biscuit! Biscuit! Oui! Biscuit, oui! Mais non! je croise le corps de Krios. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était vraiment pas très très loin. Monsieur, vous avez une enquête de police! Monsieur, nous procédons à une enquête de police, monsieur. Monsieur, moi et ma collègue Ayaka, n'est-ce pas, ouais. Nous procédons à une arrestation et nous sommes à la recherche du coupable. Ah, bon, bah, il y en a un des deux qui a été éliminé, on élimine. Oui, les Marseillais. Voilà, mais moi je le fais dans les règles de l'art, voyez-vous. Skip. Non. Biscuit, je sais où tu te caches. Philippe! Ta gueule! Viens ici, c'est l'enculé! On entend Mika qui se marre derrière! Non, j'ai rien cherché! Non, la foutre! J'ai rien cherché! Je te retrouverai, Philippe! Je te retrouverai! Ta petit homme, pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Je veux prouver que je connais la chanson, ok? Qui avait une drôle de maison? Qui avait une drôle de maison? Ah bah, hein? Vous avez pas voté petit biscuit? Vous en t'en prendre un là, hein? Bon, alors, hein? Voilà. Mais c'est moi, il a dit qu'il s'occupait de petit biscuit, moi je vais m'occuper de l'autre. Du coup, bah... Sauf que moi je suis innocent, madame. Moi j'étais une noix, madame. Oui, mais voilà. Ah, mais il est là, le biscuit. Il est où, Thomas? La rencontre est où? Oh, en plus, tu t'es même pas fait bouffer, tu t'es fait tuer. Oui, ah. Hello. Oh, il était plus que moi. C'est que Yaga qui m'entend. Tu peux te faire un qu'on est dans le lobby. Je vous comprends pas, les gens. Je vous dis qui bouffe qui. Le temps de lancer le jeu et de... Pire, c'est que j'allais venir avec drapeau blanc. Thomas tente de tuer Tibiscuit, mais la priorité est à Tibiscuit. Moi, ce que je voulais faire, c'était... Je propose, je bouffe Krios, je vote quand même la cloche, comme ça on me vote, mais Krios me roussille. Krios? Non, mais il y a qu'à m'a tué pour aucune raison. Oui. Krios, je tiens à dire... que je te dois des excuses parce que en fait j'ai voulu refaire mon tour de magie après et tu l'as vu. Je suis en même temps fier d'elle et en même temps j'ai envie de la buter parce que je veux lui faire un tour de magie et je lui dis on a été à la à la table au truc de TP et je lui dis je vais faire ce que quelque chose que t'aimes bien que je fasse le pire ans, le je vais pire c'est que et au moment je dis je vais disparaître elle me bute. Elle m'a buté à la porte sur la porte du temple magie. Mais le pire c'est et dis-toi que juste avant que tu arrives je suis venu par là et elle était déjà en train d'attendre à cet endroit là. T'as vu je l'attendais. Donc, elle aurait pu buter à cet endroit-là. J'ai coupé mon micro pour pas qu'il y ait d'écho, mais je tiens à dire, je suis fier de toi, je te donne un bisou. Voilà, je suis fier de toi. Toi, t'as été pas trop haut, t'es puni. Je sais pas, je suis bien en haut. Je crois qu'il y a Thorin qui arrive, je pense. Oui, il y a Thorin qui arrive. Bon, bah, c'est ma dernière, du coup, celle-ci. Ouais, moi aussi. Mamour, ça me dérange pour la dernière, je me mets à poil. J'ai quand même pris son enregistré, comme ça, vous aurez mon pof de cette partie. Thomas. Oui.
Je suis tout nu actuellement, pour toi, en pensant à toi. Ouais. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Delphine, tu confirmes ou pas que je suis tout nu? Pourquoi tu réponds pas? Ça va, je me change. Ils voient pas, ils ont que ça. Parce que je me mets à se met à nu devant sa copine. Vous pouvez foutre le son par neuf, s'il vous plaît. Taux de nudie. Tu n'aimes pas ma petite cacahuète, mon amour? Oh, voilà. Merci. Bonjour, madame. Coucou Thorinck. Nous sommes en guerre. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour Thorinck. Bonsoir. Thorinck, c'est bon, platypus. Le platypus. Monsieur Link. Barry, le platypus. Attends. Alors, si on veut faire Perry, où est ce truc? Là-haut. Là. Bip. Soir d'Adam qui se fait une salade. Je suis Perry version Wish. Je suis Perry délavé. C'est mon linge sale. Voilà. Perry, drink. Perry délavé, donc Perry version Wish. Bonjour. Bonjour. Théo, Panto, vous pouvez être prêt quand vous voulez. Eliaka. Oui. La discussion. C'est déjà fait. Ouais, attendez deux secondes. Ayam Radi. Je sais même pas pourquoi ça s'est changé juste avant. Pas deux secondes. D'accord, là. 1, 2. Attendez deux secondes. 3, t'es là. 4, 5, 6, 6. Tantôt, tu dis voilà, quand t'es prêt. Voilà, j'utilise le cheat code pour pas mourir. Et là, le camouflage. Non, mais on est dans le sur le black. Non, putain, t'es 8. Celui qui promet qu'il me tue, les racistes, voilà. J'arrive. Ouais, mais c'est toi qui décide. Moi, il y a qu'un, on est minimisé. Si vous nous tuez, vous êtes raciste. Nous sommes neuf. Nous sommes en guerre. On peut prendre mais le Canadien. C'est pas être raciste. C'est être attentionné. On est neuf. Non, mais t'inquiète. Yann, comment c'est possible? Mika, on va venir près de toi. Non, t'es 15ème. Et on va te pouloulou. J'aime bien quand tu me pouloulou, Krios. Le voleur d'identité. Oh, moi j'ai glissé, chef. Vas-y, ah oui, ça! J'ai glissé, chef! Tu me loulou pendant que Thomas il me poule à la lave. Pigeon direct, bon ben, on sait à quoi on a affaire. Comment ça, mon ref? Oh, je me caresse les tétons en pensant à ça, Krios! Oh, oula! C'est vrai, Delphine a l'image, frère, pardon, mon amour. Nous sommes en guerre. Sortez-moi de là! Et un Canadien, c'est quoi encore les Canadiens? Alors, tu vas trouver Pantorinck et tu lui chantes la chanson. Il déteste les trucs qui rentrent en tête. Bonjour. Faut trouver Pantorinck. Chanter la chanson avec Pantorinck. Il était un petit âne. Pirouette. Panto. Aïe, 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 aïe. Il y avait une drôle de maison. C'est où ça? Bou. Ah. Thomas. Ouais. Ben du coup j'ai trouvé Krios, c'était juste à votre gauche. Hein. Comment tu sais que t'as qu'il y avait un mort? À mon avis, je me doute, ça doit être ton rôle, hein. Mais en gros, il était juste à côté d'auditorium où on était tous les trois. Voilà. Putain, y'a un souci! C'est pas regarde le noir qui carte. Est mort en premier! T'as une carte en haut à droite? Ouais. En haut à droite, t'as une carte. Mais quel game de merde! Oui. On avait vu qui par là-bas? Non, 3-4, ils ont mangé le biscuit. Tu as auditorium en bas à droite. C'est là où j'étais avec Papy Krios. Ok. Et je suis allé vers la gauche vers stockage, c'est là où je suis, c'est là où j'ai trouvé le corps. Je suis okay. À côté de garde Thomas la carte pendant actuellement, qu'on fait le truc, comme ça tu te la mets un peu en tête. Ok. Hein là, j'arrive pas à l'ouvrir. Il y avait, bah, je savais qu'il y a cas, il y avait un bon petit rassemblement. Pardon, national j'ai voté, j'ai pas fait exprès. Pantorac,
Oui. Excusez-moi, j'ai voté, j'ai pas fait exprès. Je voulais ouvrir ma carte. Il m'appelle. Putain, j'entends rien. Et je viens de croiser Pantorinc. Et donc du coup, je suis avec Pantorin qui est passé par le... Comme la dernière fois. Le laboratoire. Je suis adoré descendu et Thomas et... Je sais que t'es en train de parler de la pêche à la ligne de la dernière fois, mais je ne comprends que là. Ah non, c'est pire. Pire comme chanson. Pire comme chanson. T'inquiète, si jamais tu m'avales en tant que pélican ce soir, je te fais et ça fait bim bam boum. Et ça fait bim bam boum, et ça fait pit et ça fait boum. Comment ça m'a dit? Ça m'a peut-être pris bouge. Oui. Parce que ça marche pas sur moi, je vis avec Delphine depuis 3 ans, mais bonne, je suis vacciné. C'est vrai. Non, mais t'inquiète pas, je commencerai à te raconter du lore de Dark Souls ou d'autres choses comme ça. On va aller dans, oh, on va aller dans du deep. Oh, j'aime encore bien. on va ouvrir une porte qu'il ne faut pas être ouverte. Comment okay. Ça, tu veux ouvrir une porte profonde avec Mika? Non, mais oula. Je vote donc. Et Yaka. Ouais, j'en sais rien qui votait, qui ne se passe. Non, il faut voter le noir, parce il est toujours en vie, c'est pas drôle. Quel noir qui est mort. Oui, mais du coup, vu qu'il y a cette anomalie qui a été faite, eh ben écoute, voilà, on l'a clos, c'est tout. La game, elle est bizarre de base, on parle à non, d'abord on vote les noirs et ensuite on vote les femmes. Okay. Calme-toi, Alain Soral. Là, c'est Mika Bizarre Adventure, ça y est, c'est parti. Attendez, pour une fois que Thomas est en vie. Je suis toujours en vie. Oh, putain, c'est tellement de la merde, j'adore ça. Oh bah c'est le but, putain, j'ai des quêtes à faire dans le couloir, putain d'air. Bonjour, cher Pantorinc. Wow. Salut. Comment on appelle Dipprosnil et Tassel? Attends, ok, il y a Cacrius, bougez plus. Je bouge plus. Comment on appelle dix prostituées qui s'engueulent? Le Covid, je rappelle le Covid. Attends, venez, rassemblez-vous. Regardez. Non, d'accord. Non, vous savez pas. Aucune idée. Une dispute. Oh putain. Thomas, t'es con. Oui. T'es con. Moi, je sais. Ah, c'est pas ici que ça chante. Putain, c'est... chante là, je vais y péter. Ça chante. T'es où? T'es où le chanteur là, putain? Est-ce qu'il chante? Il est où, Mika? Ah, Mika, il est où? C'est tout noir. J'ai peur du noir. Non. J'aime pas la chanson. Mais. Mes copains de chanson. Oh oh. Mais. Ah. Mais. Pourquoi? Mais pourquoi il a pas fait? C'est magnifique. Mais le pigeon qui trouve, le shérif qui le tue, et t'as le tueur qui va le tuer. L'échec. Je suis arrivé à 20 morts, puis ma deuxième mort, et j'ai tué la troisième. Alors, juste une chose. Ce passage-là, j'ai enregistré, mais le reste, je le mettrai pas sur la chaîne, par contre, hein, ça c'est sûr. Mais le passage avec le black, c'est pour ça que le noir, il a survécu. Le noir, il était canadien. Le passage du black, on va pas mettre sur la chaîne, par précaution. Biscuit, tu vois le même où t'as un gars qui est assis dans une église, que t'as un gars qui le pointe avec un flingue, que derrière oui, lui, il y a je connais, gars je connais. Et au fond, t'as un gars avec un sniper, bah là, c'était pareil. Excusez-moi. Ouais, je connais. On a des milliers d'heures de jeu. Delphine vient de gagner 3 fois, une fois en pélican et 2 fois en impôt. Hein. Et alors ça monte pas là... au niveau du lobby, est horrible. Hein. Non, mais derrière, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que Thomas et Eliaka, vous trouvez un corps. Déjà, derrière. Et vous préférez vous entretuer. D'abord, je me suis dit, allez, on va tenter le beau jeu. Là, je suis bien ce cas en tant que shérif. J'en ai droit, c'est bon, ça passe. Et je me refais tuer. C'était très drôle. Et Yaka, attends, je t'entends pas. Attends, y'a tout le monde qui parle. J'entends pas Mika. Yaka, je vais donc reposer la question des films que je viens de lui poser en off. On avance dans les games, puis tu t'amuses, n'est-ce pas? Oui, je m'amuse bien. Mais j'aimerais bien savoir un truc. Oui. Comment on pète? Mais ah, mais j'ai pas, c'est temps, je suis à la manette. Viens en haut. La balle au droit. Un peu sur la balle au droit. Tu vas choisir donc sur la statue, tu as le troisième onglet, t'as le petit P.
tu en choisis un. Parce que tu en as maintenant assez de pièces pour en acheter un. Ah oui. Tu en achètes un et puis comme ça c'est fait. Ok. I need to afford. Et maintenant tu peux péter. Ouais, j'ai un paix. Bienvenue parmi nous, amis ouais. Péteuses. Moi j'ai un paix en cœur. Moi j'ai une définition. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de la convaincre du jeu. Oui, oui, c'est amusant, c'est amusant. Allez, je que je let's go. Bien. Donc elle est obligée de venir ouais, une fois par semaine. Faut que j'essaye de retrouver le nom de lui-même. Je pense que nous avons réussi à convertir un autre enfant au canard. Moi. Oh putain, je suis 104ème. Non, mais je comprends rien, mais c'est drôle, franchement. Ah, ça s'est envu. En tant qu'ornithorynque, je ne peux que me satisfaire de la situation. Et Delphine, fêtard. Ah ouais, fêtard aussi. Je suis fier de toi. Pigeon ! Encore un pigeon ! Déjà plus de pigeons ! Il y a le Covid. Bonsoir, salade. Qui est ? Oh, c'est salade. Il y a salade. Oh, bonsoir, salade. Pourquoi les meilleurs rôles, ils sont partis avant ? Parce qu'ils sont les premiers en général. Mais après, faut pas croire, on a déjà eu des exceptions. Genre Mika qui était dernier, tu as un bon rôle. J'ai mis le code en code. Il y a beaucoup de trucs, mais c'est tout pas qu'on est. Ça va, pas de soucis. Je me mute, j'arrive. Vous connaissez les. Vous connaissez les. Ah, merde. Jastiquer aussi. Jastique. D'accord. Tu vas me tuer. Mais il m'a pété dessus, salaud. Oula. Papy, il est mort soit par Mika, soit par Tibiscuit. J'ai vu les deux qui traînaient autour. Il y avait Krios qui espionnait comme un vandale. Thomas vient de mourir à l'instant dans quoi, le. Il est 3 secondes. Quand te rinque, je suis même pas à côté de toi, je suis même pas là, je te vois pas, c'est quoi ça t'es... Non, Thomas, je passe dans Thomas, le couloir. Thomas, il était avec Mika. Non, j'étais pas avec Thomas, moi. Attendez, je vous refais la situation. Moi, je suis dans le couloir. Je vois Krios qui est épique comme un connard. Je regarde avec Krios il se barre. Je regarde, je vois Petit Biscuit qui sort, qui est un peu derrière. Je vois un mec qui meurt. Et juste après, je vois Mika qui passe sans le cadavre. Ah, mais... Et je suis là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh putain, l'assassin. Alors, c'était Petit Biscuit peut-être à ce moment-là. Non, mais Petit Biscuit, je sais pas, mais moi j'étais pas là. Moi j'étais téléporteur, je suis tout à droite. C'est quelqu'un d'autre que t'as vu? Alors, non, t'étais pas tout à droite, t'étais dans la curiosité, dans la salle de curiosité. Non, j'ai pris le téléporteur avec Delphine, on s'est téléporté tous les deux dans le droit de la main. Moi, alors, je te le dis, tu as pris le téléporteur, t'es apparu dans la pièce de curiosité. Ah, mais non, je suis pas apparu à côté de toi, de quoi tu parles? Mec, je le sais, j'ai mon pointeur sur toi. Mais non, t'as pas ton pointeur sur moi. Ah bah, il y a un assassin qui est petit biscuit. Bah, si on part sur cette théorie-là du téléporteur, alors c'était petit biscuit. Petit biscuit, il est mort. Théo, l'assassin ne peut tuer qu'une seule personne par truc, donc... Oui, et le tour prochain? Ouais, bah le tour prochain, quoi. Eh oui, on dénonce pas son rôle. Moi, je suis pas Potterac qui voit des personnes... Non, pour moi, Tibiscuit était l'assassin, c'est pour ça. Oui, Tibiscuit, pour moi aussi, je pense qu'il s'est suicidé. Donc, Mika, on peut se suicider, mais pas assassin?
Hein, je t'ai vu dans la salle de curiosité. Mais je... Ou alors, je... Ah ouais, mais je... C'est bon aussi. Moi, je t'ai pas vu, Krios. Krios, moi, je t'ai pas vu. Krios, il est pied comme un lâche. Et ensuite, c'est moi qui étais lâche et qui ai pied. Non. Non, non, j'ai pied tel un voyeur. Faudrait quelqu'un non, mettre mais, le souffle, alors, non, mais monsieur, je vous comprends. Désolé. C'est bien des pieds de voir des choses. Il y a eu un bug. Hein. Désolé. C'était Arcelor ou Astral, mais je me suis foiré. Voilà. L'amour. Moi, je veux pas dire, mais je suis mort au timing et, parfait. Mais c'est qui t'as visé, Tibiscuit ? Bah, toi ! Je savais que tu as dit il espionne, donc je me suis dit harceleur ou astral, l'un des deux. Alors, ah, je me suis... c'était l'autre. En fait, j'ai espionné, mais à travers le mur, tu sais, il y a des trous dans les murs. Par contre, tu vois, on a fait les kills. Puisque Pantorec, il a report dans le couloir à côté. Comment il peut report ? Ouais, je sais plus. Alors en fait, j'étais suffisamment proche de la fenêtre pour pouvoir report à travers la fente. Mais t'as littéralement. On a une petite salade qui nous a rejoint. Pas nous voir. Bonsoir. Salam. Du coup, j'ai vu le truc paniqué, je suis là, mais attends, j'arrive à report, what the fuck. On accueille un coup de paix. En gros, il y a eu un bug, je vous explique, Pantorec, il a report dans une autre salle. En fait, vous voyez, on a tué là où il y avait... Ouais, non, mais tout à fait d'accord, mais là, je ne sais pas, après, moi, je connais pas assez les mécaniques, mais ouais, j'étais pas dans la curiosité, j'étais dans le couloir. C'est pas normal. Normalement, il peut pas report. Bah c'est bizarre, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Mais, oui, qui Mika, a tué Thomas, Mika... en fait. Moi, ouais, c'est en tant qu'harceleur, pourra toujours mettre mon pointeur sur un tueur. C'est un truc de fou. Alors, Eliaka, c'est vraiment, je t'ai pété au visage, je suis parti au courant, il y a un gros Benoît qui m'a frappé au sol. Est-ce qu'on peut dire que c'est les, on peut dire que c'est les tueurs qui sont pointés? Exactement. Pour pointer. Bonjour Gwen. Du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Thomas m'a pété dessus. J'ai montré mon indignation. J'ai dit à Thomas, mais il m'a pété dessus. Et puis je l'ai entendu se marrer. Et puis il y a eu le report. Et puis je vois Thomas est mort, en fait. Ça, on appelle ça le karma. Exactement. Eliaka. Oui. On appelle ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon but était de tuer après, mais je voulais mettre le pétard sur Thomas. J'ai mis le pétard sur Thomas pour que Delphine l'entende, mais Tibiscuit l'a tué, j'avais le démon. Ah. Mais je voulais éviter qu'il fasse un report de cadavre, quoi. J'ai flatulé trop fort. Voilà. J'ai pété si fort, si tu veux, je pourrais presque être un saoudien. Je voulais qu'on t'entende ton pétard, j'hésitais à tuer à côté de toi, mais je voulais pas niquer la game de Tibiscuit. Oh, la goutte. Qui a fait la goutte ? Moi, je voulais protéger Mika pour qu'il n'y ait pas un report qui se fasse choper, quoi. Ouais, mais tu jures, on est perdu parce qu'il y a eu un report, mais Ah bah, y a nouveau un fétard. Improbable. Le fétard on est combien de neuf, un peu ? Et un pélican ! Les 10 ! On peut canadien. Ah, bah. On peut canadien des 9, hein. Canadien, tabernac. Taber crise, taber poète. C'est vraiment notre dernière avec Delphine, on avait dit 22h, il est 22h30, hein. Oui. Bah, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Oh, il est 20, t'abuses. Il voilà. y a deux neutres, 10. Oui, je sais pas. Je sais plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été... Et à nos 10, on fait à peine 3 cerveaux, donc... Et encore, c'est beaucoup. Mais tout le monde est là. 3 cerveaux en cumulant tous ceux qui sont présents. C'est grâce sure. à la chef, on est 10. Par contre, on ne sait pas qui est l'autre neutre. Nope. Je suis même plus sûr s'il y a deux neutres. Ouais, il y a deux neutres. Si, on est 10, il y a deux neutres. Oui, mais je savais plus c'était la ouais, le petit bout de verre. Putain, le bout de verre. Voilà. Oh putain, le son de c'est mort là, le. Quel est l'autre imposteur, on sait pas quel est l'autre neutre. Super. Théo, but Mika. Mika, but Mika, au secours. Je peux pas.
Pour feur, mec, pour feur. Ce que je préfère faire avec Thomas. Il y a qu'à, franchement. Incroyable. Quoi, je peux pas tuer Mika. J'y peux rien, moi. Je peux pas choisir. Coucou. Coucou. On a croisé du monde, au cas où, Bios Pichon, parce qu'on ne connaît pas le deuxième neutre. Bien passé. Alors, Delphine, soit t'as vu quelque chose, soit vous avez une grande explication. Malou apparemment a vu quelque chose aussi parce qu'il est mort. Il y a eu un viol. Ah non, non, non. Ah non, il y a eu un viol. Il y a eu un viol. Il y en a un qui s'est fait manger ou quoi? Ah donc, non, 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 elle a buté. Hein. En fait, quoi? On était avec Papy, Delphine et Thomas. Il y a Thomas qui a peur de moi parce que je fais croire que je suis imposteur. On était près du téléphone et du coup, elle a empêché Thomas de s'enfuir, elle l'a buté. Il voulait pas me donner sa baguette. Et du coup, faut voter qui? J'ai pas compris, on skip. Je suis mort. J'ai rien compris, vas-y, je skip. Tu vas tuer tout pour aller contre Thomas. Salade, elle a tué Thomas parce qu'il voulait s'enfuir. Voilà. Merci. Ah, ok. Non, ça l'a dit. Tu t'enfuis pas. Ok, j'avais rien compris, je skip. Mais putain de merde! Putain! Aïe aïe aïe! L'alliance! Ah bah c'est. Putain, c'est cool, putain! Magnifique! Non mais, il y avait la théorie que t'étais exact en fait. Hein. Quand t'es dodo, il fait du report. L'alliance Pélican! Oh putain, je l'avais tué! Aveugle man! Aveugle man! Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Mais qu'est-ce qu'il a bouffé? Il a tué à 3! Au secours! Oh, je vous déteste! Oh, attends, oh, je vous haïs de tout le monde! Il a accusé Pugno! Non! C'est Papy qui l'a tué! C'est Papy qui l'a tué, je suis sûr! Mais elle m'a volé ma vanne en fait, parce que j'étais plus grand! Et j'ai voulu aller à côté de Delphine et dire tu sais ce que je préfère faire avec Thomas, c'est avaler et avaler Thomas. Et du coup j'ai pas pu faire ma voix, je suis très déçu. Par contre je suis fier de toi. Là de nous, regarde ça. Pourquoi est-ce que tout le monde veut mon cul sur ça? Parce qu'il est juteux, je crois. Est-ce que j'ai une cible sur le cul? Non, il est juste juteux. Non, t'es juste français. Sur le dos, toi. Allez, une parce qu'il est pas incroyable. Allez, elle est dernière. Allez, fignote. Deux tours avec mon propre corps. C'est incroyable. Ah, je te jure. Incroyable. Ah, par contre, est-ce que ah, je suis mort. Ça fait 4 mois. C'est le cas de le dire. Ah, je suis mort. De le dire. Moi, je t'ai pas contredit. Hein. Mais c'était pas ça, c'est ça. Mais t'as bien joué. Hein. Ah, bah, comment te dire que le Zawardo a mieux. Y'a un pro. Y'a un pro. Mais du coup, papy. C'est pas improvisé. Des respirations, doucement. Des respirations. Si y'en a un qui est en pro, on aura peut-être un sac phare. Non, pardon. Est-ce que le dodo serait le pas le truc c'est Osco. Que papy il doit sauver du coup c'est pas Delphine et dodo donc du coup il va l'accuser aussi. Mais en fait j'ai... Mais lis le chat Mika, lis ce que je mets. Vas-y. Bah lis le chat j'avais compris c'est le fil du délire c'est le temps de bon. Non. Par contre ça rappelle les souvenirs mais là au moins on connaît tous les rôles. Ah oui. Oh, putain, j'ai mal au... Franchement, parce qu'on connaissait que deux rôles, c'est compliqué. Elle a vu ma gueule, je vous jure que ma gueule, quand j'ai vu qu'elle était d'autres, elle volait de l'or. On est presque tous les rôles, je connais. Ah, putain.
en gagner 4. Il y a du monde ici. Il y a du monde. Il n'y a pas de pigeons, c'est pas grave. Attendez, comment ça c'est moi qui report? Mais j'appuie sur aucun bouton. Il y a le professionnel qui a dû marcher sur le roi. Oui. Du coup, où es-tu? Quoi? Je suis en salle des chaudières, j'avais vu Tom il y a 2 secondes et quand je suis revenu après que les lumières se soient éteintes, il était que mort. Est-ce normal? Non. Attends, comment ça j'ai trouvé Funio? Bah t'as fui trouver Funio, t'as glissé dans les escaliers sur le corps de Funio certainement, vu qu'il y a un professionnel. Le professionnel, il ne laisse pas de corps derrière, sauf si tu marches dessus, tu ne saurais pas les reporter. Ouais, je fais confiance à ce que tu dis parce que j'ai rien compris. Hein. Bon, professionnel, lire la description. Perso, je sais que ça peut pas être Mika puisque j'étais avec lui à la brume. Oui, pareil. Vous aussi, étiez à la brume. Et je sais pas qui c'est, voilà. Ouais. On va rester simple. Hein. Auditorium. Je viens de croiser Tibiscuit. Alors, ça va être très simple. Théo, ça va être très simple. Et je sais plus. T'as croisé Théo et Tibiscuit. Moi j'ai, je suis avec Théo. Salade. Ou pas Thomas. Moi je peux. Dire que c'est pas Eliaka parce que. Il y a peut-être le Canadien aléatoire. Du coup c'est peut-être pour ça qu'il a été. Mais non, mais normalement, je pense que le Canadien ne se déclenche. Mais on aurait vu si ça avait été le. Enfin, si ça avait le. Enfin, il y a tu aussi et un professionnel, faut le rappeler. Non ouais, pardon. Donc, en fait, je pense que. Si jamais. Je pense qu'il a peut-être tué le tueur en série et ça fait auto-report aussi. Hein. Moi, je sais qu'Eliaka était. C'est pas possible que ça soit elle. J'ai vu Delphine justement monter l'antichambre là où il faut voter. Attendez. Vers laboratoire. Elle est passée. Auditorium, study, enfin études, bibliothèque, antichambre, et là je suis avec elle, enfin je suis pas avec Eliaka, mais juste avant que les trucs s'éteignent, Eliaka est dans le couloir et moi je suis en antichambre. Des trucs. Je comprends pas, je ne comprends pas. C'était toi la dernière que j'avais vue. Oui. Okay. Et on est tous les deux à ce niveau-là et trop loin de laboratoire et tout ça. Ouais. Mais j'ai aucune idée du reste. Maintenant, ça nous save pas sur la mort de Thomas. Thomas, je ne l'ai pas croisé. Non. Ah, il y a que moi qui l'ai croisé, mais du coup, je sais pas qui l'a buté, c'est pas moi, donc. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais pour de vrai, mais je sais pas ce qui s'est passé avec le report, hein. Ça me trigger intérieurement. Hein. Bah, c'est le professionnel, c'est ça. Professionnel. Si, c'est bien le professionnel. Coucou, Krios. Coucou, ça a été fait la quête. Ouais, elle a été faite, c'est bien. On peut sortir. Mika. Bon, c'est 100% safe. Hein. Okay. Juste à lire et t'as oui, les infos. Mika aussi. Et t'es avec moi. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que. Attends. Ça veut dire que le cadavre en fait est masqué, mais si tu t'approches suffisamment du mec qui a été masqué, tu le détectes quand même. Cadavre, et tu oui. Oui, c'est ça. En fait, si tu marches sur le cadavre. Ok. Donc il les bouge pas de place alors. Non. D'accord. Bon bah c'est ça du coup, j'imagine. En tout cas voilà. Oui, c'est ça. Mais attends, ça voudrait dire que. Ah bah j'en sais rien du coup, enfin... Ouais, je sais pas non plus. Y'a pas de shérif dans la game. Si, y'a un shérif. Si, y'en a un. Mais t'aurais eu deux corps, l'un à côté de l'autre et tu les aurais vus. Et surtout, mais... j'aurais pas auto-report. Voilà. Oh putain, yeah bon, attendez. Lumière. Faut aller où déjà pour la lumière? Attends, je te suis. Voilà, j'ai l'impression aussi que cette game elle est foirée, donc. C'est ça? Ah oui, il faut rallumer un truc. Ouais, il faut rallumer plusieurs trucs. Pas qu'un. Voilà, un. Il y a quoi? Oui. T'étais avec Théo, c'est ça? Théo et Panto, vous deux, vous êtes safe? Moi, je suis safe, ouais. Ouais. Antibiscuit, expliqué à Panto. Ah bon. Ouais, on a remis suffisamment de light, donc c'est remis.
J'ai tout à curiosité, donjon, et j'ai un truc à salle des chaudières encore. Bah, du coup, j'ai pas le temps de faire l'activité. Ah bah, t'as un truc. Mais putain, mais j'en ai marre! Sadan, t'as marché, sur le, t'as marché sur le corps de Tibiscuit. On ne l'a pas vu. Ça veut dire que le Tibiscuit était tué là. Et Yaka et Pantorax, c'est... Mika, t'étais parti où, toi? T'es parti... Oh, parti à la brume, moi. Ouais, c'est bien ça, j'avais la quête de la pêche. Et il est mort, Tibiscuit. J'ai croisé Kryos... Non, mais c'est la queue dans Scooby-Doo. Ah, je marche tranquillement. Il y a un putain, je trouve un cadavre. Juste à la sortie de la porte d'études. J'ai croisé... Laquelle? Putain de l'air. À la sortie gauche. Vers l'hôtel sacrificiel. Ok, j'étais à l'équipe pendant qu'il était en train d'allumer les lumières à exactement cet endroit-là, mais comme il faisait noir, bah, j'y voyais rien. J'ai pas vu le corps, parce que je suis pas allé marcher dessus. Bah voilà, c'est tout. Bah, moi, en tout cas, que... pour ce cadavre-là, c'est pas possible que ce soit Yaka, ma compagnie était derrière. Et pour Mika, il nous suivait au passage, mais... Après, on s'est séparés, mais il n'est pas allé dans la même direction que nous, donc ça ne peut pas être lui. Eliaka et Pantorang sont safe. Kryos est safe du premier tour avec moi parce qu'on était dans la brume et il y a eu deux kills. Pour moi, les deux tueurs, c'est Papy et Théo. Et moi, je crois que je serais plus sûr de Théo que de Papy. Ouais, voilà. Au moins. J'ai voté Kryos parce que j'ai vu. J'étais. Non, c'est impossible que ce soit Kryos. Oh, laisse-moi parler, Mika. Ah, pardon. Non, mais on. J'étais à Stockage en train de passer le balai et je vois Kryos passer de Stockage vers le couloir juste au-dessus. Pardon Théo. Ouais, qui venait du coup auditorium. Tu me vois passer de Stockage? Alors là actuellement c'est pas possible, hein. Je suis à l'auditorium. Alors non. Ah si. Papy Malou qui s'exclame en disant « Je suis à la putain de tête de la canne à pêche, j'en ai ras le cul, y'a pas de TP. » J'étais une simple voix. Voilà, Papy a exprimé sa pensée. Et s'exprime, c'est je Mickey suis la voix de Papy. La prochaine fois, je ferai un. Bien. Non, je pense qu'on a eu le bon. Ouais, je pense aussi. David, c'était pas l'inspecteur Rixo. T'as aussi la carte? Attends, ouais, j'ai la carte. On a les deux, bon bah. Gauche, droite, milieu. Gauche, droite, milieu. Gauche, droite. Ah merde, je me suis perdu. Oh non, je me suis perdu, j'ai raté ma carte. Attends, je la recommence, j'y arrive. Non, j'ai réussi. Je suis juste au-dessus, attends, avec Kato. Attends, je la recommence. Ouais, mais je suis juste au. Et j'ai dit. Non, tu voulais la tuer, t'as la petite salopio! Je voulais la tuer! Taro! Bien joué! Et Cryo, t'as adopté la technique Scooby-Doo! Je me cache dans une armure! Tandis que le petit Pantorac qui a découvert les deux cadavres de toute la game, il a fini étranglé et violé et mis quelque part en suspension. Il faut que je vous raconte le premier kill. Kryos était troisième imposteur, mais il était obligé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau. J'ai signé un contrat. Voilà, on est au niveau de la chaufferie. Et j'entends Kryos, mais je ne le vois pas. Alors, je sais qu'il est caché en fait, il est ingénieur. Et du coup, moi je me cache à côté de lui en disant oh, Kryos, regarde, je peux faire comme toi. Si tu dis rien, je dis rien, Kryos. Et du coup, on est mort de rire et du coup, il dit rien. Et là, il y a Thomas qui arrive. Il y a Pantorin qui arrive. Pantorin, il va faire sa mission à Groupeux. Je sors de là. Thomas, il est surpris de me voir. Je le bute. Je retourne dans ma cachette. Il y a Delphine qui arrive. Non, Delphine, c'est Malgade qui m'a tué. Attends, non, je suis Pélican, Ah bon ? Ah, c'est Pélican, c'est moi qui t'ai tué, Thomas. Tu ne m'as pas vu, je suis sorti de la je suis sorti de l'armoire. Je suis sorti de l'armoire. Je t'ai buté, Thomas. Je suis rentré dans l'armoire. Il y a Feugnot qui arrive, elle est Pélican. Et elle arrive sur le cadavre, elle va pas le report. Il y a Papy qui arrive, mais en mode, les javoux. Et qui bute Feugnot. Et du coup, il y a Pantorec qui remonte et qui marche sous le cadavre de Feugnot, alors que le cadavre de Thomas est juste au-dessus. On a tout vu avec Kryos, on était mort de rire. Oui, j'étais mort de rire, ça s'est passé. D'accord. C'est moi qui t'ai buté. Non mais...
Dans la vraie vie, je porte des lunettes, hein. Moi, je tiens à dire mon canard. Mon canard, il doit avoir un strabisme ou un truc du genre, hein. C'est tout. Je suis désolé, Thomas, j'étais trop tentant parce que je suis fait caché dans la poêle. Il y a un moment où Krios qui se cache dans l'armoire, je fais t'inquiète pas, Krios, j'allais pas te tuer. Je vais juste éteindre sa voix. C'est parce que je suis français, c'est ça? Hein? Oui, complètement. Bisous tout le monde, à demain. Moi, je vais vous laisser aussi, bisous. Et bah, retourne dans ton département là. Alors, on peut aller dans notre département. Retourne dans l'Auxerre. Les autres, on peut continuer. Il faut encore en faire une. Il faut encore en faire une. Il manque 3 jetons. Ciao, ciao, c'est qui part. 3 jetons. Bisous, Mika, bisous, Fenio. Passons la Belgique, elle est aussi plate que ta sœur. Et alors? Emotional damage. C'est quoi le problème qu'elle soit plate? Eh papy, on attend plus que toi. Non, c'est quoi le problème qu'elle soit plate? Rouler... Mais... Normal qu'elle soit plate, on lui a roulé dessus en camion il y a deux mais semaines. Mais je suis là. Ah, mais t'as changé de couleur. Oui, mais c'est un régime express, hein, ça, mon garçon. En fait, si le noir, il meurt en premier, c'est lequel qui déclenche tous les pièges à la con? C'est pas l'Asiate, non? Il faut simplement que je sois blanc. Ben voilà. Ok, voilà. Tout sur lui. Attendez, si je peux avoir une couleur... Ah non, si vous... je mets la couleur à la Sammy de Scooby-Doo. Je mets une couleur à la Sammy de Scooby-Doo la prochaine des fois. Des couleurs fesses de bébé. Ah. Pas de canadien, les oui. Mais si, courageux. Mais si, courageux. Je suis un con sur un imbécile. Je suis courageux. Je suis courageux. Il y a vraiment un skin, personne qui porte des baguettes. L'entendeur. C'est un skin bien français. C'est délicieusement raciste, hein. Bon, allez, c'est parti, je vais parler. Parce que les papis. Happy Legion, at my word. Alors, est-ce qu'il va me refaire un screamer? Qu'est-ce que tu aurais vu passer non, un canard blanc privilégié? Ce truc-là, de temps en temps, il te fait un screamer maintenant. Est-ce que tu aurais vu passer... Passer qui? Il y a qu'à pas que je montre un truc. Il est en haut, il est en haut. Viens un instant, il y a qu'à. Je montre un truc. Disparition ninja. Technique secrète, le planqué. Alors comme ça, tu rentres tranquillement dans les trucs, toi. C'est normal. Et j'en sors plus. Plus jamais. Votons-le au bûcher. Oh non. Oh, il y a une bombe. Passez-la moi, je fais un dunk. Let's go. Oh no. Putain, on était tous ensemble, au secours, c'était qui? Il est mort. Mais... Ah, rien vu. Il y a des pieds. Et à côté, il y a un cadavre. Les pieds, je suppose que c'est le blanc. Et à côté, et le cadavre. Blanc est mort en premier. Il fallait bien que je recolle les morceaux. Il fallait bien que je recolle un peu les morceaux. J'avais que les pieds là, j'avais trouvé une jambe, j'avais trouvé un torse, tu vois. On m'emmerde dans ma pratique artistique, j'ai pas le droit d'être un artiste, madame. Par contre, de l'autre côté, je me doutais que c'était lui qui avait balancé la bombe. Oui. Du coup, oui, mais. Mais c'est pas lui parce que c'est un lui. Dodo qui reste. C'est le dodo qui reste donc c'est pas c'est le démolitionniste. C'était pas malou. Donc on sait que c'est pas moi. Qui s'est empressé de me monter direct? Y'a Théo et Salad. Oh bah c'est l'un des deux. Quoi mec. Oh, oui. Ah mais moi je pense que c'est Iliaka. Alors, Tibiscuit était, était planqué dans, la, dans l'armure. À côté, il y a eu Papy Malou, Pantorinque. Il y a eu Salad, Théo, Thomas et moi.
On a fait un gros pack. Moi j'ai demandé à ce qu'on passe la bombe et puis j'ai dunké. C'est pas Tibiscuit. J'y suis, j'y reste. C'est pas Tibiscuit. Krios, je sais pas où la disparition ninja. Oh pom pom, tu vas me faire un mot. Pardon. T'as une secrète, le planqué. Ah yeah, ça va, non. C'était ça. Pardon, il y a des coupé. Passé en plein milieu, c'était en haut. Ouais, c'était de, pile devant l'armure de Tibiscuit, donc je sais pas. Moi je dirais salade. Salade ? Salade démolitionniste ? Quoi ? Pour moi ça joue entre salade et toi. Bah c'est pas moi, Tibiscuit. Tibiscuit, je t'ai vu rentrer dans l'armure. Oui. Ça c'est parce que t'as pas la vision. Alors que ouais, tu avais la vision sur moi ? Non. Donc pauvre, c'est pas moi. Ça peut pas être moi, je t'ai vu rentrer dans l'armure, Tibiscuit, je savais que t'étais dedans. Tout le monde m'a vu. Bah, Eliakim m'a vu rentrer dans l'armure, après tout le monde l'a vu, il a su quoi. Oui, mais je suis arrivé avant que tout le monde soit là, justement. Pour, oui, lui, il revenait d'en dessous. Gentil. Il revenait d'en dessous, et moi j'étais bah oui, à côté de en dessous, derrière quoi ? Un mur. D'accord. C'est pour ça que j'ai voté Eliakim, en vrai. C'est parce que non, j'ai aucune non. idée. Moi, je sais que c'est pas Tibiscuit ou Thomas. Non, Skip, c'est. Déjà, on sait que c'est pas moi, étant donné. Qui s'est passé, c'est Thomas, ce qui s'est passé. Moi, je vous ai pas vu. Mais pour... c'est... Thomas, c'est toi qui as tué Papy Malou. J'ai vu Krios à la fin, en vrai. D'ailleurs, t'es, bah, dans les t'étais encore dans l'armure en ce moment. Je crois que j'ai vu dans les... Oui, dans les... Non, j'ai dans pas les bougé de l'armure depuis que j'y suis. C'est, c'est à droite, à Storage. Là. Je voulais, à la base, ouais, j'avais oui, juste envie de menacer Tibiscuit en mode, tu continues comme ça, tu te retrouverais. J'ai juste envie de parler mal à travers son armure. Perso, je skip, j'ai pas d'infos. Ouais. Pour moi, ça joue entre Elia et Salade. Moi, c'est un gros point sur Théo. Parce que Salade, non, ça... si Salade a pu voir à travers les murs, c'est pas possible. Ah voilà, il y a un vote pour moi, c'est un des deux qui a voté pour moi. Donc, le dodo. Trop dans les murs, j'ai rappelé. C'est pas possible, parce que pour moi, c'est pas possible que ce soit Thomas. C'est pas possible que ce soit Thomas, vu qu'il a tué... C'est Théo, du coup. C'est pas Thomas. Hein. C'est mon job de stalker les gens, de te servir. Et il y a qu'à t'approche pas. Comme ça, si j'explose, c'est Krios. Ok. Tib. Ah voilà. Je n'ai aucun courage. Je reste près de toi au cas où. Moi, je me demande si un ingénieur comme moi se prend une bombe et va dans l'armure après. Ça compte ou pas ? C'est une bonne question. Je vais peut-être me sacrifier pour faire l'expérience, mais il faudrait que tout le monde se pack pour garder la surprise. Je vais me laisser garder la bombe et me mettre dans l'armure pour voir ce que ça donne. Il faut que tout le monde arrive pour ça, sinon c'est un peu... Ça dévole le tueur, quoi. Ouais. Là, ça va être dur. Est-ce que tout le monde peut se réunir, s'il vous plaît ? Je voulais sure. tester un truc. Il faut donner la bombe à Tibiscuit. Ah, c'est Théo. Non, genre tu dis tic tic tic. Pourquoi tu veux donner la bombe à Tibiscuit ? 4. T'es en train de passer la bombe. Vas-y, rentre. Non ? Il est mort. Ouais. Quelqu'un peut me voir son fantôme ? What ? Tu vois son fantôme ? Oui, ça... Mais... ah, oui, oui, on voit son fantôme. On voit son fantôme. Attends, c'est qui ? Mais attends, il reste sur moi. Ah non, il reste sur moi. Mais on voit Tibiscuit, c'est qui ? On voit le fantôme de Tibiscuit. Tibiscuit, dis-nous qui t'a tué. C'est Eliakim ? Non, mais ne le dis pas, c'est... C'est Krios. Alors, il a fait un test. Il a fait un test. Tibiscuit a fait un... Putain. Bon. C'est Théo, je vais exploser. C'est Théo. Ok. Oui, mais non, je la donne pas. Donc, on voyait mon fantôme en fait. Oui, on voyait ton fantôme. Ouais, l'impression. Ah bah, c'est Eliakim qui a pété. Ok. Bah écoute, dans ces derniers retranchements, c'est Théo. La bombe, elle a été jetée sur moi au tout début quand j'étais tout seul dans une salle avec Théo. C'est pour ça que je suis resté un peu avec lui. J'ai croisé personne d'autre. Au moment où la bombe approche.
revenu sur lui, je vais jeter la bombe, donc c'est peut-être que lui. Ah, déjà qu'on avait des doutes sur lui tout à l'heure. Déjà, tu avais des doutes parce que tu t'es pris un vote alors que je skiffe. Nuance. Et de deux, quand vous avez tous demandé à Tivisky de pointer le nom de son tueur, c'est qui l'a entouré? GG le Krios. Après, peut-être qu'il nous entendait pas à ce moment-là. Je pense que si. Bah, quand t'es en fantôme, tu n'entends pas les gens que si tu rentres dans leur corps. Hein. Donc tu peux pas les entendre. Vois, mais attendez, les gars, on n'entend pas les fantômes que si on est mort. Les gars, de toute façon, on est trois. Il y aura d'office un tueur et il peut pas tuer plusieurs personnes vite ou quoi. On entendra le boom. Du coup, on n'est pas obligé de voter. Bah si. Bah si on vote et qu'on se trompe, Thomas, on a perdu. Hein. Bah écoute, alors que moi, si on Théo, pas, au pire c'est le justicier, donc faudra courir après quelqu'un lui balancer la bombe. Attends, t'es pas justicier. Enfin, au pire c'est le. Enfin, je le suis, mais plus maintenant. J'ai été viré. Lapsus révélateur, mais j'étais du RLDD, donc c'est pas grave. T'as été viré. Putain. Ah, je sais pas, c'est. Oui, on m'a retiré mon permis d'arme. Tu veux que tu dises ce que je suis le seul random. T'as fait un essai sur Malou, à vous. Ouais, je suis le seul random. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, bon. Pour moi, au tout début, c'était soit Salat, soit Rexo. Et moi, pour moi, c'était Krios sur ce tour-ci. Hein. À travers les murs, je l'ai regardé. Krios, tu sais que j'ai pas envie de te voter. Dis-moi un nom. Bah moi j'ai le dernier nom que m'a dit Eliaka, c'est Théo, c'est Théo. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Après voilà, c'est tout. C'est vrai qu'elle a dit ça. Ok, j'ai fait mon choix. J'ai skip. I am so sorry Théo. J'ai vraiment. On te croit. Je pense que c'est la même. Eh bien, bien joué Cléos. I am so sorry, Théo Rixo. Mais... Ouais. Non, franchement... Tu as le nom des gens qui ont rien fait. En fait, non, c'est au niveau du timing. C'est toi qui es arrivé près de moi. Et puis Krios est arrivé. Mais du coup, la bombe s'est déclenchée, quoi, une demi-seconde. Après que tu... Enfin, après que tu sois parti, quoi. Donc je me suis dit, oui, donc, bah, c'est Théo qui m'a donné la bombe. Au niveau non, au niveau du temps, c'était pas logique en fait que ce soit Krios, parce que c'était pas dans le bon timing. Si au moment où je suis parti, ça s'est déclenché une demi seconde après, c'est pas bon. Aya, juste Aya. C'est abusé qu'on voit encore des biscuits. L'esprit, tu l'as. Mais c'est incroyable, on voit son corps. Mais comment ça se fait qu'on voit son fantôme? Il y a un bug. Je pense qu'il a voulu rentrer en même temps qu'il a explosé et enfin, dans l'armure. Ça l'a fait sortir du truc, peut-être. Peut-être. C'est fait ultime par Mordor Kaiser, mais ça a bugué. Ah mais attends, du coup c'est Salad ou Krios? C'est Krios. Ah moi c'est pas moi. Du coup, c'est... J'ai jamais pu te donner la bombe tout à l'heure, donc non, c'est pas possible. Bah c'est Krios. Bah, si tu veux, c'est moi, vas-y. Et tu fais une erreur. J'ai eu peur. GG. Thomas ne troll pas comme ça, quoique. Ça peut GG. Arriver. Ah, moi je suis l'expert du troll. GG Thomas. Dommage. En vrai, putain, j'ai fait. Alors, je ferai une petite explication. Je vais faire une petite explication. J'étais ingénieur, mais je me demandais. Si l'ingénieur a la bombe et qu'il va dans l'armure, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pour ça que je suis sorti et que j'ai testé en fait. Je suis allé dans l'armure avant que la bombe explose, donc j'ai attendu que le timer se termine et pouf. Maintenant, c'est ce que ça fait. Et tu voyais ce que les gens étaient ou pas? Bah oui, quand t'es mort, tu vois les rôles. Ouais, bon, c'est franchement, j'ai réussi à placer des belles bombes, je suis content. Tu nous entendais Je veux dire, la bombe Théo... Bah, seulement quand je prenais possession, ça a pas changé. Vous étiez tous les deux sur une quête, j'ai foutu la bombe. Parce et il y a qu'un moment, il était à côté d'une armure en train de parler à Tibiscuit, je lui donne la bombe en passant juste à côté, mais elle m'a pas vu à ce moment-là. Et après, je suis descendu et Salad, il est passé juste derrière. Mais en fait, c'est du coup, on au voyait, niveau du timing, c'était Théo ou Krios. Et au niveau du timing, Krios, t'es resté à côté de moi, en fait.
Et c'est ça qui m'a perturbé. Je viens de me rendre. Pas la première. Pas la première bombe. La première, je suis pas resté à côté. Je suis passé, je t'ai vu, je t'ai donné la bombe et je suis reparti. Mais tu l'as pas vu quand je t'ai donné la bombe, je crois. Tu as pas fait attention. Non, j'ai pas fait attention. Ah, les enfants, au cas où, hein. J'étais plus noir, je suis blanc, je suis pas censé mourir en premier. Bah si, c'est plus marrant quand ça meurt avec ses blancs. C'est parce que t'es pas fait la machine à laver, ça. Vas-y, Théo. Pardon pour la mésaventure policière. C'est bien d'être crème. Il faut battre en crème. T'as eu le dodo, c'est pas grave. Je n'ai pas mon violet caractéristique de Torank. Mon dieu. Que devient le monde? Par contre, là où je suis dégoûté, c'est que je peux même pas lancer l'alerte de la cloche pour pouvoir empêcher que vous alliez buzz. Je suis dégoûté. Pénicant, ça nous avait pas manqué. Et silencieux. Moi, je préfère le fait. C'est pas bon. Silencieux. En tout cas, je suis content, j'ai eu mes 3 jetons. Est-ce que je suis content, pélican... je mets ma technique de disparition ninja. Est-ce que le pélican, c'est le similaire de la piñata? Enfin, rectification, j'avais ma technique de disparition ninja. Oui, si tu continues, ouais, sauf qu'ils sont plus au fur et à mesure. Je saurais tout ce que je peux dire. Hein? Quand je le saurais, tu le saurais? Quand tu le saurais. Je tiens à dire que le gift de Thomas est hilarant. Voilà, ce sera ma dernière intervention de la soirée. Je sais pas si tu m'entends, Aliaka. Mais non, mais je faisais rien de mal. Relâche-moi. Tant pis, j'ai trouvé quelque chose de très très chiant à dire. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Oui, je tiens à dire que ton gif est... Ah bah Thomas il est incinéré. On était en allant sur mon PC. Franchement... Désolé, le Bilbo, t'es un sale petit con. T'inquiète. Dans l'armoire avec Rios. J'ai beaucoup apprécié. C'est un petit peu bon. J'ai fait le teacher. T'as même pas vu que c'était bon, c'est qui est drôle. Je peux te dire où ils sont. Tes gros bisous, Thomas. On se voit vite. On se voit vendredi pour... Bon, bah avec un peu de chance, la piñata va exploser. N'est-ce pas. Gros bisous. Bah non, parce qu'il y a des bisous à tout le monde pour moi. Bisous, les gueux. Bisous, les gueux. Bisous. Trop tard. Voilà, qu'ils mettent. Tatar. Oh. Non, Krios. Vengeance, Thomas. Bien joué, enfoiré. je voyais que t'étais en train de me guider et je me suis dit que ce serait si beau. Voilà, mais super. Ah, ça m'a tellement fait rire. J'ai eu un Krios et du coup, je meurs. Non, mais je sens qu'on va tous perdre parce que les gars vont tous nous bouffer. Je sais que je suis assez court pour suivre ce genre de choses. Ouais. Là, c'est comment ça, Roger? Tu viens de passer? Eh, je voulais du fun, je suis pas de me faire pénitenter. Je suis pas de me faire pénitenter. De quoi? Mais t'es où? Non! Ah, désolé, Iliaka. Mais bon. J'avais une chance sur deux, il restait plus que vous trois. J'étais en mode bon, tant pis. Hein. Ah, le principe de la piñata. Oh. Je me suis dit, soit je meurs et j'ai perdu, soit... Non mais en plus, il m'entend dire, Iliaka, t'as bouffé Théo, t'as bouffé... Mais, hein, quoi? Quoi? J'ai l'impression que Iliaka, ça a fait ça. Ah, moi quand j'ai entendu t'as bouffé Théo, j'ai fait ok, my job, my time.
Mais du coup, on sait pas qui est l'autre tueur. J'ai bouffé juste après. Et c'est quoi comme truc? Le tueur. Bah oui. Un qu'un seul. Oui, mais... Bah un des mecs qui était pas à l'intérieur, il y avait qui à l'intérieur? Non, mais ça aurait très bien pu être à l'intérieur aussi. Bah tu peux pas tuer depuis l'intérieur. Non, mais... Bah tu peux pas tuer depuis l'intérieur quand t'es... Bah voilà, forcément c'est quelqu'un d'extérieur. Il restait qui? Eh, hey, Théo, moi j'étais planqué hein, comme ce que j'ai fait au début. Hein. Ouais, mais normalement en fait, j'aurais pas eu de freeze, je t'aurais pas quitté donc je serais pas mort. Qui s'est fait manger en premier? Je suis dans l'un des premiers, j'étais deuxième, je pense. Ah, de toute façon, on peut pas voir, j'allais dire, mais on peut pas voir. Un de vous aurait peut-être pu le tuer Thomas et puis se faire bouffer un peu plus loin. Oui, dans tous les cas, Thomas n'a pas été bouffé. Non mais là pour pouvoir libérer les gens du pélican, il faut que ce pélican meure, donc c'est un tueur. Et si tu veux pas tuer depuis l'intérieur du pélican, un shérif aussi. Je suis shérif. C'est l'un des shérifs. Voilà. Bon bah shérif. C'est un 2-1-2, est-ce qu'on m'entend au moins? Ah non, c'est vrai. Mais qui n'a pas été mangé? Je n'ai pas été mangé. Moi et Krios. Krios, petit biscuit, ça l'a. Ah, petit biscuit aussi. Ok. On ne mange pas. Éternel planqué, j'évite tout. En vrai, t'as pas été mangé, toi. Si, j'étais bien été mangé, moi. Donc, c'est possible que le tueur ait été mangé. Ça, c'est pas impossible. Oui, c'est possible. Mais pour te dire, j'étais mangé en premier. Donc, c'est bon. Ok, ok. Non, c'était Pantorinque. Moi, je suis pas un pas d'info. Je répète ma phrase. T'as bouffé Théo. Même pour te dire, j'ai lancé un des mineurs à côté parce que j'ai un peu de temps devant moi. Oui, Théo, j'ai bouffé Théo. C'est dommage qu'il n'y ait pas un démolitionniste. Oh non, pas ce rôle de mort. C'est exceptionnel. Mais en plus, Pantorinque, il a été bouffé en premier. Et il a entendu Papy Malou qui disait qu'il t'avait foutu au feu. Là, c'était par le truc. Non, c'était... Oh. Papy Malou qui m'a dit qu'il t'avait foutu au feu. Nice. Il a fait « Oh non, en plus j'ai foutu Thomas au feu !» Bon, et Pantorinque, il a pas fait tilt. Bon bah, tant pis, hein. C'est... ça. Mais c'était très drôle. Tortipousse. J'ai failli bouffer Salade ou Krios. Il me manquait 5 secondes de cooldown. Mais t'as bouffé Théo? Non. Si. Mais ce qui est bien avec le fait que j'enregistre, bah, c'est que, comment dire, je peux répondre. Je peux répondre. Théo, il faut parler. Parle, Théo. Mmh, ah, vous avez une info? Il a été silence, pauvre Théo. Nope. Non. À part que Krios était encore vivant il y a 5 secondes ou 5-6 secondes, je pense. Il t'a sauvé, tu le tues. Ouais, il est en train de discuter avec Théo, et là, il est mort. Théo, c'est parlé ou pas? Parce que moi, j'étais... Il y a pas un silencieux, je crois que Théo s'est fait silence. Bah, Théo, essaye de... C'est peut-être un fake aussi. Vérifie si tu sais pas faire de texte ni rien. À part c'est mute. Est-ce que tout le monde peut parler déjà? À part Théo. Ouais. Test 1-2-1-2, est-ce qu'on m'entend? Hello. Ouais, y a tout le monde qui peut parler. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Donc, soit Théo fake très bien, soit il est silencieux, et dans ce cas-là, ben, c'est pas lui. Tu voudrais dire qu'il simule? Oh mon dieu. Soit il simule, soit il est sous silence. C'est mon ex qui simule. Voilà, j'attends. Non, moi je suis à planquer. Comme ça, merci. Je tends de longues perches auprès des gens et les gens me répondent. Tibiscuit, je sais où t'es. Donc c'est pas toi. Thomas, j'ai entendu. Tibiscuit, je sais où tu habites. Pardon. N'est-ce pas? En vrai, je sais pas quoi faire. Hein. On skippe. Ouais, ça skippe. On a aucune info. À part que c'est potentiellement pas Théo. Potentiellement. Skipper tous
Comme ça, on va voir le vote de Théo, au cas où. Au cas où il aurait vu un truc, comme ça, s'il meurt, on sait jamais, par inadvertance. Mais papy, il va te voter, toi. Mais t'es con. Ah, mais il s'est voté lui. Non, il y a un vote pour papy aussi. Il y a un vote pour moi aussi, mais... Ok, d'accord. Joli dauphin. Eliaka ? Ouais. T'as bouffé Théo ? Non. Et le truc, c'est que... J'avais... Salade, il m'a fallu 5 secondes et j'allais bouffer salade ou j'allais te bouffer. Mais toi. Tu sais que j'avais mon pointeur mis sur Théo et que d'un coup, je vois que Théo s'est transformé en Eliaka. C'était papy. J'ai fait mon troll, j'ai gagné. T'es qui le shérif? C'est moi. Salade. La salade qui surveille. Surtout Théo, je suis. Allez au saloon. Salade, t'es tourné vers la voie du shérif après avoir été une salade battue. Quand t'étais silence, c'était à mon avis, t'es. Mais. Non, et tu sais quoi, même pas, parce que j'ai pas spécialement d'émotion ce soir. T'es vraiment en mode. Ah bah, je suis silence, quoi, tant pis. Puis après j'entends Scheisse dire, ah oui, sinon j'étais quand même un peu heureux. Et du coup Tibiscuit l'a compris. Puis derrière il y a Pantorang qui dit venez on skip tous, comme ça on verra le vote de Théo. Et du coup j'étais encore plus heureux. Non, c'était pas moi qui ai dit ça, mais je remercie je viens de débloquer une petite carte de fond d'écran en tant que canard prêcheur. Après avoir utilisé votre capacité sur un joueur, celui-ci vote pour vous. J'ai débloqué un truc. Ah, let's go! This is nice. T'avais prêcheur, j'ai même pas vu. Bah oui, il a fait prédicateur à un moment. C'était au tout début. Sauf que c'était pour Krios qui a donné, mais Krios a voté pour lui, je crois. Oh la tristesse! Hein? Ah, moi j'ai pas voté pour moi. Mais Thomas, Thomas t'a donné son vote. Ah! Et t'avais voté pour Thomas. Oui! Du coup, il a eu un succès. Incroyable. Papy Thomas, comment ça se passe? On peut pas aller au salon. My body is ready. Tu veux aller au salon maintenant? C'était quoi le nom du succès? On en fait une dernière et puis salon pour moi. Ok. Dernière et big. My body is ready. C'était quoi le nom du succès? Non, c'est pas un succès, c'est que ça m'a fait. Le nom du succès? Enfin, ça m'a débloqué un. Parfois, ça te donnait une carte. En gros, c'est la définition. Enfin, non, c'est pas une carte via Steam, c'est pas des trucs qui entourent ton personnage dans Goose Goose. C'est le grand fond bannière. Avec des dessins et la micro bannière qui entoure le canard. Sinon, Thomas, il était comment le chauffage? Alors, un peu chaud, un peu aride, pas très humide. Voilà, ouais. Ah oui, il a poussé le cadavre, il l'a tué juste devant, c'est plus, ça? En plus, papy, t'as dit que t'avais fait de la crémation sur Thomas, et Panto, il a pas percuté que t'avais dit ça quand que je vous avais bouffé tous les deux. Un pélican! Un pélican. Hello Théo. Mais bon, c'est marrant ça, même sans voir l'écran, je savais déjà que c'était Théo qui était à côté de moi. Ouais, clac clac clac. Pourquoi? Avec son clavier. Avec le clavier. Qui c'est qui est rentré dans l'armure? T'es biscuit? Ouais, je l'ai vu. Sayonara. Oh non. Il t'a pris le rôle de T'es biscuit. Cette armure est suspicieuse. C'est Krios? Non. Bruh. C'est papy? Oui. Pourtant, Volo, permettez-moi de vous nettoyer un peu. Oh putain. Il y a le cadavre de Salade dans les tunnels. L'entrée des tunnels, genre, au niveau de donjon. C'est pas Thomas, c'est pas Papy. Voilà, c'est pas Salade non plus, je pense. Ah bah Salade, il est beaucoup plus chance que ce soit pas Salade. Ah bah, j'étais avec Salade.
J'étais avec Salade, j'ai nettoyé l'armure, il est passé devant moi, j'ai fait une quête en dessous, Salade est mort. Papy Malou est mort aussi. What the fuck? L'assassin, soit il réussit son coup, soit l'assassin qui s'est foiré. Je sais pas. L'assassin a réussi son coup parce que, comment dire, il y a un pélican. Il était ingénieur. Il était ingénieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, il est parti dans la boîte. Ah d'accord. Dans l'armure, d'accord. Perso, je savais même pas qu'il était dans l'armure. Quelqu'un des indices? 10. Du tout. Là, actuellement, j'étais à l'auditorium à la fin, là, donc... J'avais une quête à faire en bas. Théo, il était parti dans les tunnels. Il voulait aller à l'entrée du tunnel, mais il a rebroussé chemin pour aller à donjon quand les lights se sont éteints. On était au courant. C'est là où il a trouvé le bon Malou. Alors, j'ai une petite courant, théorie. Moi, Théo, Thomas, et. Quand on voit que t'étais au courant, non? Au courant de quoi? Le papier est ingénieur. T'étais pas genre. Non, j'ai pas entendu, je me suis barré direct et je suis resté tout seul. Moi, j'avais pris une théorie. Moi, j'étais à la droite de la map, donc j'ai croisé pas grand monde et j'ai entendu parler personne. Voilà, il y a Kryos qui peut aller dans l'armure. C'est pas Kryos, je pense que Kryos c'est vraiment l'auditorium. Ah oui, je suis vraiment à l'auditorium. Oui, non, mais. Non, c'est ingénieur et quel rôle qui peut pas dans l'armure? Les méchants. Ouais. Pigeon peut aussi, mais vu qu'il y a le pélican. Pigeon, ouais. Le pélican il peut pas. Le pigeon il peut. Le dodo il peut, je crois, non? Le dodo non, il peut pas. Pas le astral ou un truc comme ça. Ah oui, bah oui. Non, je crois qu'il y a vraiment que l'ingénieur dans chez les gentils. Ingénieur, pigeon et imposteur qui peuvent, je crois. Ok. Il y a un monde où Papy s'est foiré, mais je pense qu'il était vraiment ingénieur. Ah, ça m'étonne. Tu trouvais dans les tunnels, mais qui était là-bas? À part Théo. Papy, il aurait pas fait un. Ah, Théo. Mais je descendais dans les tunnels. Il y a peut-être un random canadien. Pour moi, la seule personne. Le joueur assassin qui serait capable de faire ça, Tibiscuit. Le joueur canadien assez con pour faire ça, il y a Tibiscuit. Enfin, pour les joueurs assassins assez con pour faire ça, il y a. C'est vrai que des fois je vise bien, mais des fois je me foire. Hein. La partie précédente. Par rapport aux habitudes, je mettrai une petite pièce. Voyons, on provise dans le tour. Non. Ceux qui savent faire ça, rapidement, Théo, Tibiscuit, Kryos. Et moi. Toi aussi. Ouais, et moi. Pantorin qui est même pour moi Thomas, hors de... Mais en tout cas, Kryos est safe, je pense. Thomas, je... Oui. Thomas est safe. Pas vu les votes, mais tout le monde a suivi. Presque. J'ai pas fait gaffe aux votes. J'ai quand même un doute sur Théo. Ah, moi aussi. Ok. Coucou Kryos. Bonjour. Oh, moi je quitte la gauche, ça m'a saoulé là, ce qui s'est passé. Oh, salut les gars. Bon, c'était pas Théo. Pas Théo? Ah ouais. Théo. Ou alors le pélican est toujours feu. En vie. Il a poussé en feu, Yaka? Oui. J'avais un tir. Je l'ai poussé dans le feu. Je vois, je... Mais il s'approchait un peu trop près de moi, donc je pense qu'il a voulu me jeter dans le feu aussi. Ah, il va falloir que je fasse un AFK bébé. Quoique...
que... Non, ça va. Bon, j'ai pas le café bébé, quoique. À voir. Si, si, c'est chaud. Il était ? Il reste plus que le pélican, alors. Hop. J'ai plus de balles. Biscuit, si t'es pélican, bouffe-moi. Je dois aller m'occuper du petit. On va te garder pour la fin, mais... Ah. Bonjour, Yaka. Bonjour. C'était Théo le méchant, hein, oui. Ouais. Enfin Thomas, pas Théo. T'as croisé Tibiscuit. Ah, j'ai vu. Ah. Je sais pas, je spamais ma touche, je sais pas qui je voyais. Je sais plus qui j'ai croisé. Yeah. Je spamais ma touche. C'était moi. Il y a qu'un. Oui. J'allais pas te tuer. J'étais en train de dire. J'ai dit à Pantamon que j'ai une tête chaudière, ce qui est plus tard. J'ai dit, vas-y, je vais chaudière, je reviens. J'arrive sous le chaudière, je meurs. Tibiscuit. Je voulais pas te tuer. Bah, moi, j'allais dire lesquels, je suis mort. Chose, je l'ai tué au moment où je l'ai croisé. Tibiscuit. Je vais au salon pour tout le monde et je vais m'occuper de mon bébé. A tout de suite. Ah oui. Et je vais couper l'enregistrement. Ah, ça me fait une loi. On va couper l'enregistrement. Hop. Alt, tab.